Alors moi c'est Jason et mon atelier consiste à apprendre aux gens à faire leur FAPU. Du coup avec des techniques en permaculture et agroécologie, c'est-à-dire qu'on va le faire en respectant la nature, en essayant de détruire le moins possible et en se focalisant sur des produits locaux et tropicaux. Fruits ou légumes, plus fruits, tout ce qui est sucré. Et il y en a tellement de fruits ici, il y a de quoi faire. Pas mélanger deux. En plat sucré. Aucun des deux, je suis végétarien. Je préfère quand ils sont vivants, les animaux. plus sucré. Ça marche les fruits comme friandise. Hein. Je dirais une banane, parce qu'une banane c'est simple, c'est facile à éplucher et ça se mange rapidement. Je dirais un plat encore une fois assez simple et plutôt délicieux en termes d'efficacité, ce serait quelque chose comme du taro avec du lait de coco. Dessert, bah moi mes desserts c'est des fruits, je vais répéter encore. Peut-être des bananes mixées un peu en mode purée compote avec un peu de gingembre. Dernier qui m'a rassasié, le livre que je suis en train de lire actuellement, c'est un livre qui parle d'écologie et de comment est-ce qu'on peut expliquer aux enfants d'aujourd'hui que notre terre est en danger et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de la sauver. Livre, je l'ai picoré parce que j'aime vraiment prendre le temps de les comprendre et comprendre ce que voulaient dire les auteurs.